sur la forme, c'est le retour de l'ORTF, quoi. Emmanuel Macron peut se nommer lui-même Premier ministre. Il va de nouveau, il avait fait la même chose avec Elisabeth Borne, il va de nouveau parler avant son Premier ministre pour fixer un cap ou je ne sais quoi. C'est pas acceptable dans une démocratie comme la nôtre. Je veux dire, un président de la République qui hyper-présidentialise à ce point, qui incarne à ce point toutes les dérives de la Ve République, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, finalement, peut-être que Matignon n'existe plus et que vous avez Gabriel Attal qui était Premier ministre peut-être pendant 7 jours et qui se retrouve de nouveau porte-parole avec la prise de parole d'Emmanuel Macron. On attendait d'abord que le Premier ministre fasse un discours de politique générale. Vous lui dites qu'il lui fauche l'herbe sous le pied. C'est une réalité objective et même chronologique, puisqu'il parle ce soir avant son Premier ministre, qui pourtant se présente cet après-midi aux questions d'actualité, avec un gouvernement là aussi incomplet. Donc il a définitivement transformé ses premiers ministres en collaborateurs. Je trouve ça assez indélicat, alors que ce Premier ministre vient d'être nommé, que le président de la République parle avant lui. Je vous rappelle qu'en principe, un président préside et un Premier ministre gouverne. Ça a un petit peu changé depuis l'époque du quinquennat. Ça me paraît quand même assez indélicat et je trouve ça assez castrateur, oui, j'avoue. Ils sont comme ça, les présidents depuis surtout du quinquennat. Surtout Emmanuel Macron, je pense quand même. Il est surtout comme ça. C'est le retour de l'ORTF, quoi. Hein ? Parce que 20h15, c'est l'heure des foyers. C'est l'heure du foyer, on se retrouve, on mange. Donc il s'impose dans tous les foyers français, toutes les chaînes confondues, publiques, privées. Enfin voilà, ça va être le grand show Macron à cette occasion. Donc sur la forme, moi je suis assez perplexe hein, sur une forme d'autoritarisme du président de la République qui décide comme cela pendant deux heures et demie, trois heures. On sait que M. Macron peut être long.